Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour, ou partout où vous vous trouvez en ce moment pour suivre cette émission. Nous vous remercions d'ailleurs de l'attention que vous voudrez bien lui accorder. Je vais présenter tout de suite mes invités, en commençant par l'abbé José Pondou. Monsieur l'abbé, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Kibami. Je passe ensuite à mon ami Bonigaba, monsieur Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibami. Et Justin Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Voilà, sans le savoir, j'ai respecté l'ordre de l'âge. De temps en temps, il faut y veiller. Monsieur l'abbé, pour arriver ici, vous empruntez de temps en temps des catchs, et puis de temps en temps de moto. Oui. Ah bon, ça vous arrive? Oui, ça m'arrive même plus souvent que qu'on peut le penser. Mais au moins, vous êtes seul. Parfois, je suis seul, alors je paye le double. Mm-hmm. Parfois, j'accepte d'avoir quelqu'un d'autre pour éviter de dépenser un peu plus. Oui. Mais toujours est-il que je prends des risques. Je prends des risques. Oui, mais vous... Mais ça va plus vite. J'imagine que si vous êtes deux hommes, jamais une femme. Non, ça peut arriver que ce soit un homme et une femme, bon, plus le conducteur qui est toujours un homme dans le cas d'espèce ici. Ouais, mais ça devient dérangeant. Non, c'est pas dérangeant. On s'habitue, on s'y fait. ce que je voulais faire dire à monsieur l'abbé, c'est qu'un jour, il s'est trouvé en présence d'une femme, effectivement. Alors, comme monsieur l'abbé était derrière, il voulait tenir sa photo. Et la femme lui dit, non, moi, on ne me tient pas. Elle ne savait pas que c'était un abbé. Et subitement, elle s'est mise derrière. Et là, derrière, elle ne tenait pas monsieur l'abbé. Bon, c'est pour ouvrir les débats dans la sérénité, dans la bonne humeur. Alors, maître Magala, c'est avec vous que je vais commencer cette émission, curieusement. Parce que on peut dire que le ping-pong est finalement terminé. J'en veux pour preuve le fait que le budget soit passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'instruction contraire et que effectivement entre M. Kabila et M. Félix Tshisekedi, tout va très bien. On peut le dire, on peut l'affirmer. Merci beaucoup. Mais ils n'ont pas de choix. Tout ne peut qu'aller très bien entre eux. Ils n'ont pas de choix. Ils sont condamnés à être ensemble et à évoluer ensemble parce qu'ils ont le même sort à la fin. Les deux familles politiques sont appelées à travailler ensemble. C'est-à-dire que celui qui bloquerait l'autre se mettrait lui-même en position inconfortable, inefficacité, parce que ce n'est pas évident qu'on aura la même chance demain. Donc, ils sont obligés de travailler. En fait, je voulais vous amener à ceci. Nous donner la différence entre ce qu'était M. Joseph Kabila, qui avait la majorité au Parlement, il était président de la République, et ce qu'aujourd'hui M. Félix Tshisekedi, qui a la présidence, mais qui n'a pas la majorité au Parlement. Que vous nous expliquiez un petit peu ça pour que tout le monde comprenne. Oui, merci beaucoup. On doit retenir, sans faire trop de juridisme, que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Les autres disent aussi semi-parlementaire, mais enfin, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il y a partage des responsabilités entre les chefs de l'État et le Parlement, dont le gouvernement est l'émanation. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour être en condition confortable, le président doit nécessairement avoir une majorité parlementaire, ce qui lui permet de diriger aisément. Pourquoi? Parce que les responsabilités du président, du chef de l'État sont bien définies, limitativement dans la Constitution. Pour le reste, c'est le premier ministre chef du gouvernement qui a la plénitude du pouvoir réglementaire. Donc, le président reste le chef de l'exécutif, mais le premier ministre est le chef du gouvernement. Et lui, il vient directement du Parlement. Alors, pour que le président puisse être à l'aise dans la direction, lui qui définit la vision, il doit avoir
une majorité au Parlement. Et le jeu de la coalition aujourd'hui, c'est justement lui trouver cette majorité-là, même si elle est composée d'une façon, de la façon dont nous connaissons. Donc, contrairement à M. Kabila, qui avait sa majorité, il pouvait agir, et c'est ça qui fait la différence, à sa guise. Parce que les troupes qui étaient devant lui, lui assuraient le confort qu'il fallait. Aujourd'hui, le chef de l'État doit, pour agir aisément, être en accord avec son partenaire. Et c'est cet accord-là. Donc, il n'a pas les coups de franges. Les coups de franges comme avait eu son prédécesseur. L'explication me satisfait. Pour dire aux téléspectateurs, et particulièrement ceux de deux camps, ne demandez pas, enfin, nous tous avons l'avantage à ce que cette coalition fonctionne normalement. Ne demandez pas au président Tshisekedi de faire ce qu'il ne peut pas. Et donc, dans les réactions des uns et des autres, soyez mesurés. Ainsi se déroulera bien ce pouvoir ou, comment vous appeliez ça, cette législature. Disons que ne demandez pas au président Tshisekedi de casser la baraque, il ne la cassera pas, et soyons mesurés dans nos exigences. Mon père, le fait que le budget soit passé comme ça, comme une lettre à la poste, veut dire, confirme ce que nous disions, qu'entre les deux, tout va bien. Bon, c'est le parfait amour. Moi, je ne vois pas le problème de notre pays comme étant un problème entre deux individus. Parce que les deux, ils peuvent s'entendre, peut-être ils ne peuvent pas s'entendre, il vaut mieux qu'ils s'entendent. Quand on écoute les propos du président Félix, partout où il est passé, il a eu des propos très positifs vis-à-vis de la relation qu'il entretient avec l'ancien président. Et donc, de ce côté-là, je ne pense pas que le vrai problème de notre pays réside là. Le vrai problème de notre pays, à mon avis, c'est que nous, les Congolais, nous nous entendions tous autour d'un idéal commun. D'un idéal commun. Et l'idéal commun, c'est l'indépendance de notre pays, l'autonomie de notre pays, la souveraineté de notre pays, et surtout une souveraineté qui débouche sur le bien-être. Et une souveraineté qui ne signifie pas nous débarrassons des maîtres, nous échappons à leur contrôle, nous sortons de leur contrôle et nous ne mettons aucun dispositif de contrôle interne auquel nous nous soumettons pour que tout ce que nous faisons puisse aller dans le sens du bien-être de la population et du développement du pays. Quelque part, je crois que notre pays n'a pas besoin, et je le dis souvent, notre pays n'a pas besoin d'une opposition et d'une majorité. Notre pays a besoin d'une cohésion nationale, d'une cohésion entre les Congolais. Est-ce que c'est possible? C'est possible lorsque nous mettons le Congo au devant de tout. Et que mon ami ici se bat pour le Congo, l'autre se bat pour le Congo. Tu te bats pour le Congo, je me bats pour le Congo. Nous nous battons pour le Congo. Nous coalisons nos forces pour nous battre pour que le Congo gagne. Et quand le Congo gagne, c'est le Congolais qui gagne. Et donc, il n'est plus question de voir est-ce que c'est le camp de Kabila qui va gagner, est-ce que c'est le camp de Félix qui va gagner. Ça, à mon avis, c'est la perte, c'est la ruine de notre pays. Oui, mais comme vous le disiez, comme nous étions dans notre bureau, malheureusement, tout cela nous est imposé de l'extérieur. On nous dit il faut être démocrate. La Baule, Mitterrand l'a dit, c'est la démocratie. Donc, et nous, comme nous adorons imiter, c'est l'opposition et le pouvoir. Mais la démocratie, il faut qu'on s'entende. Y a-t-il une démocratie même en France? Y a-t-il une démocratie même aux États-Unis? Je reviens à vous, il y a aussi les on peut se poser la question. Oui, mais on peut se poser la question.
Où y a-t-il une vraie démocratie qui peut donner la leçon aux autres? Moi, je ne le vois pas. Parce que j'ai entendu aussi des gens en France, comme aux États-Unis et ailleurs, qui disent, mais est-ce que vraiment nous sommes dans une démocratie? Lorsque tu vois un président, même en France, qui impose sa volonté au peuple, parce que c'est la volonté de l'Union européenne, c'est ceci ou c'est cela, et le peuple, bon, on n'en a rien à cirer, eh bien, peut-on parler de démocratie dans ce cas-là? Non, monsieur, là-bas, vous avez complètement raison. Maître Magala, mais pour que nous ayons un entendement commun, il faut quand même que quelque part ces deux éléphants s'entendent un peu. Hein? Et jusque-là, oui. Ça va. Bon, il faut qu'ils s'entendent, mais les gens doivent aussi avoir en tête que c'est passager, c'est temporaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin du monde. Ils doivent s'entendre. Oui, nous sommes d'accord. Et comme on disait dans l'émission d'il y a 3 semaines, est-ce que ceux qui sont sous leur autorité directe en termes de partis politiques ont-ils été préparés pour ces charges-là? Pourquoi? Parce que un homme politique doit peser ce qui sort de sa bouche. C'est-à-dire on ne tient pas n'importe quel propos parce qu'on ne s'est pas entendu sur ça avec le voisin. Ils sont condamnés à évoluer ensemble, mais quand les propos incendiaires sortent, est-ce qu'on pèse avant de les prononcer? Vous savez, une parole prononcée par un quidam et une parole prononcée par un homme politique ont des poids très différents. Donc, on doit éviter, on doit être préparé. On avait dit, on ne s'improvise pas en politique. Mm-hmm. Quand un homme politique parle sur la voie publique, il doit avoir en mémoire qu'il a toute une population derrière lui, mm-hmm, et que ses propos peuvent être dangereux. Je prendrai un bon exemple dans la Bible. Vous savez, quand on a la foi chrétienne, et c'est défini par rapport aussi à l'engagement qu'on a dans la société. Mmh. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne peut pas se dire chrétien et être totalement désengagé de la société. Oui, on est chrétien pour justement briller dans la société. C'est-à-dire que un chrétien qui vous dirait Makambwananga na kota kangote, c'est de l'irresponsabilité. Et au niveau du parti, ça devait être ça. C'est-à-dire qu'on est engagé pour une certaine valeur positive. On ne peut pas être engagé dans la politique pour des injures, je suis désolé. Et encore, quand on ne sait pas qu'en prononçant certaines choses, on scie la branche sur laquelle on est assis, eh bien, on part dans n'importe quel coin, dans n'importe quoi, et nous devons être responsables par rapport à ça. Modeste Monique Gaba. Oui, je crois que l'émission aujourd'hui a démarré d'une façon un peu originale. C'est que, effectivement, la démocratie, bon, parlons-en. Qui a dit qu'il y avait un modèle? Il n'y a pas de modèle en démocratie. Il y a des expériences diverses entre pays. Et nous, personne ne nous a demandé de copier, même si il y a eu la bolle, effectivement. Mais justement, on a mal copié. Parce que nous, on a cru qu'il suffisait d'avoir... Maintenant, on est à peu près 1000 partis, je crois. Voilà, on est parti pour la mort. Les syndicats et tout ça... Hein, beaucoup de chaînes de télévision pour dire qu'on est en démocratie. Alors que l'essentiel en démocratie, ce n'est pas ça. L'essentiel en démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Comment faire en sorte qu'effectivement cette souveraineté-là du peuple cesse d'être des mots creux? Parce que nous ici, tout de suite, ah, souverain, souverain. Ben oui, lorsqu'on regarde, il n'y a que deux individus qui manipulent tous les autres. Donc ce n'est pas ça la démocratie. On devrait normalement se focaliser sur comment faire en sorte que effectivement ceux qui ont conscience des vrais enjeux mondiaux, comme on le disait ici, soient ceux-là qui soient sollicités lorsqu'il s'agit de choisir qui vont parler pour nous au reste du monde. Démocratiquement, on peut y arriver. Et là, je suis sûr qu'il n'y aurait pas beaucoup d'opposition. Parce que lorsqu'on élève les débats au niveau où il faut qu'il soit, pour que le Congo se porte mieux, il y a très peu d'opposition à ce niveau-là. Tout le monde le souhaite.
Mais lorsqu'on descend sur maintenant comment on gère, c'est là où les Romains s'empoignent. Parce que c'est à ce moment-là qu'on doit savoir, ah, mais le ministère là, c'est là où il y a ceci que... et tout ça. Et à ce moment-là, ce n'est pas ça la démocratie. Qu'on nous donne l'occasion de réfléchir sur les fondamentaux de la démocratie et qu'à ce moment-là, on va effectivement faire ressortir ce qui est essentiel pour que le Congo soit toujours le gagnant. Ça doit être ça la règle de base. Si on s'impose cette vision des choses, à ce moment-là, on va également se dire que seuls les meilleurs d'entre nous doivent pouvoir alors dans ces jeux-là émerger. Les meilleurs, pas seulement au plan, parce qu'aujourd'hui, depuis 60, on veut université universitaire, on a compris que ce n'est pas suffisant. Meilleurs au plan moral et éthique d'abord. Et là, vous allez voir que bon, l'amour du prochain, ça va être comme un exercice tout à fait normal. Parce que le souverain primaire conscient des enjeux aura choisi les meilleurs hommes, femmes, qui ont effectivement, qui portent ces valeurs. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il n'y aura plus de cohésion, on ne pourra plus se chamailler sur comment on va faire pour que, au niveau africain, on puisse effectivement considérer que le Congo, c'est la locomotive. Au niveau mondial, mêmement. Mais aujourd'hui, on est loin de là parce que le Code noir veille. Voilà. Le Code noir continue à faire ses ravages. Fait. On n'a pas encore réussi à prendre le dessus sur ça. En résumé, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore compris que ce que nous sommes en train de dire nous a été dicté par autrui et que de temps en temps, nous le comprenons mal. D'ailleurs, la démocratie, on dit que c'est le moins mauvais type de gouvernance. Donc, on n'a même pas su définir, oui. Monsieur l'abbé, n'est-ce pas ça ? La dictée est faite et nous l'avons peut-être souvent mal intériorisée. Mais regardez seulement notre système éducatif, notre système d'enseignement, de formation. C'est la répétition de la voix du maître. Aujourd'hui, un étudiant en doctorat... qui est en train de faire son doctorat, il rédige sa thèse, eh bien, sur quoi il est coté souvent ? Sur le fait qu'il ait pu... étayer son argumentation. Non, citer tel auteur, tel français, ou tel belge, ou tel américain, ou tel qui a dit ceci, qui a dit cela. Mais ta pensée personnelle, on n'a pas besoin d'une thèse, par exemple, de 200, de 1000 pages. Une thèse peut être même de 20 pages, de 10 pages, mais là où tu as sorti quelque chose de personnel, tu as sorti quelque chose qui a un impact pour la vie et le développement de notre pays, de notre société, qui a un impact sur le changement que nous voulons opérer dans notre société, eh bien... C'est là où tout part. C'est que nous avons un système éducatif qui est un système non pas de production du savoir, mais de reproduction. Nous reproduisons. Et j'ai été enseignant. Je le suis. Hein, bon, même si je ne pratique plus, eh bien, j'ai constaté que dans notre système d'enseignement, à l'examen, le prof attend que l'étudiant lui restitue ce qu'il a écrit dans son syllabus. À telle enseigne que on voit des professeurs qui, pendant l'examen, si c'est un examen oral, on évite même beaucoup des examens oraux ici, c'est pas la règle, c'est plus des examens écrits. Mais bon, même à l'examen écrit, eh bien, on attend que l'étudiant reproduise ce que le prof a dit. Et une fois que l'étudiant sort de cela, il dit quelque chose que le prof n'a pas mentionné, n'a pas écrit, mais quelque chose d'original. Mais, ça choque. Eh bien, non, qu'est-ce que j'ai écrit ? Et l'étudiant fait quoi ici ? Il bloque
D'ailleurs, on appelle ça blocus. Mmh. Il bloque, hein, il bloque le syllabus. Hein. Et à la limite, pour passer un examen en forme de tricherie, il amène des copions, c'est-à-dire il a copié le syllabus et à la question du professeur, il reproduit ce qu'il y a dans ses copions, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le syllabus. Mmh. Alors, j'en viens donc à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Nous sommes dans un système de reproduction et pas un système de production d'une pensée, d'un mode d'agir, n'est-ce pas? L'exemple de la démocratie dont il est question, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que nous, Africains, nous, Congolais, nous n'avons pas un système dans lequel nous avons vécu, dans lequel nos ancêtres ont vécu, qui soit un système original et qui peut nous inspirer pour qu'aujourd'hui, nous puissions mettre en place un système qui soit différent du système capitaliste libéral dans lequel nous vivons. Parce qu'en réalité, on parle de démocratie, mais la vraie idéologie qui mène le monde, c'est l'idéologie capitaliste, libérale, et on dirait même ultra-libérale, n'est-ce pas? Et quand on regarde tout cela, la démocratie devient comme une sorte de panacée. Hein. Bon, on en parle, mais personne n'y croit. Le peuple, c'est qui écoute le peuple? Qui fait la volonté du peuple? Qui exécute la volonté du peuple? Eh bien, c'est là le grand drame. Hein. Donc, pour moi, personnellement, je me dis, la révolution, et je crois que nous avons besoin d'une révolution. C'est une révolution mentale, une révolution des esprits, une révolution des cœurs, de telle sorte que si nos esprits changent dans la manière de voir les choses, si nos cœurs changent dans la manière de sentir les choses, je crois que nous sommes partis pour changer de système et adopter un autre système que celui qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Oui. Et tant que ce système n'a pas changé, on peut changer des animateurs, mais le résultat sera toujours le même. Selon la parole de Mungu Diaka, voilà. On a changé de chauffeur. On a changé de chauffeur, oui. Mais le véhicule est le même et ce véhicule est en panne. Effectivement, le système dans lequel nous vivons est un système qui est en panne. On va descendre sur Terre pour analyser un phénomène. En fait, je crois que nous nous sommes alarmés un peu pour rien devant ce ping-pong politique. Parce que quand même, pour paraphraser le président Félix Tshisekedi, les deux partis qui se regardaient en chien de faïence, chacun jaloux de l'autre, qui peuvent pas, par une baguette magique, filer le parfait amour comme ça. Non, maître. Justement, c'est ce qui nous expose à la difficulté que nous avons maintenant. Ils étaient certes hier en chaîne de faïence, mais aujourd'hui nous sommes en train de courir un autre risque, c'est que c'est de tomber dans la dictature de la foule, je ne dis pas du peuple, c'est-à-dire la dictature de la foule, c'est ce qui nous guette aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Les deux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire la coalition qui est au pouvoir, il n'y a pas de personne au sommet de l'État, mais la coalition qui est au pouvoir, vous avez l'impression des fois que les deux groupes jouent à l'opposition entre eux. Mmh. À un moment, ceux-ci ils jouent à l'opposition alors qu'ils gèrent le pays. C'est pas normal. C'est-à-dire, il y a des actes qu'on ne peut plus poser aujourd'hui. Vous êtes en train de diriger en coalition, soit-il. Considérez-vous comme ce n'est pas à vous d'être dans la rue. Ça ne peut pas s'expliquer que ceux qui dirigent soient en même temps dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a un problème de communication entre la base et le sommet. Et ça doit être... Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a des faïences, des animateurs au milieu, pour que les discours soient les mêmes du sommet à la base. On est dans quoi finalement? Nous sommes comme dans une sorte de famille recomposée, où papa est venu avec ses enfants, maman est venue avec ses enfants, et puis ils ont eu d'autres enfants. Et on vous dit que, chérie,
Tes enfants et les miens sont en train de taper sur les nôtres. On est dans un truc comme ça où ce n'est pas normal. Dans une recomposition qui ne dit pas son nom. Alors, conséquence, c'est quoi? Comme le gâteau est petit, tout le monde veut que ceux qui sont là partent rapidement et qu'eux se retrouvent. Donc, entre eux, ils se mettent une pression inutile à la fin parce que tout le monde ne sera pas ministre. Et c'est là que nous avons perdu un grand apport de notre addiction. Parce que notre constitution dit que nous devons nous développer par rapport à notre génie propre. Dans les cours que constituaient nos rois ou nos chefs coutumiers, il y avait un ordre accompli. Et le chef ne pouvait jamais être injurié. Chez nous, dans nos traditions, le chef est sacré. Et on a comme une sorte de lavage de cerveau où nous avons oublié tout ce qui a été fait. Dans la Constitution, le chef, il est comment? Dans la Constitution, le chef, on lui doit, du reste, même dans la Bible, en fait, obéir au chef, respecter le chef. Sa personne est inviolable. Oui. Respecter les chefs, c'est un devoir même pour... Comment? C'est le pouvoir que nous avons mis en place. On ne peut pas amener l'image du chef de l'État comme ça. Vous savez, nous arrivons même dans un stade où tout un stade est en train de... Non, ce n'est pas normal. Nous devons garder nos valeurs. Et parmi nos valeurs là, un chef, soit-il coutumier, avait un traitement particulier. D'accord. Respect. Il y a une conséquence parce que ceux qui viennent après n'ont plus ça en tête. Ils croient que c'est normal que l'image d'un chef soit traînée dans la boue. Non, c'est ce que nous sommes en train d'inculquer à nos enfants. Et je ne sais pas ce qu'ils vont donner après. Oui, mais est-ce que l'erreur quelque part n'est pas venue un peu de Genève? Parlons franchement, quant à Genève, le candidat s'était dit... Et les autres avaient dit non, nous on respecte ce que notre peuple, notre base nous a dit. Est-ce que là on n'a pas un... Je vous refile la patate chaude. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est une faiblesse. On ne peut pas, disons, adopter cette règle aujourd'hui et dire qu'elle n'est plus valable demain. Donc, ou bien vous dites que vous êtes attentif, pas jusqu'à dire que c'est la base qui vous dicte la ligne à suivre, mais vous êtes attentif à ce que dit votre base, ce qui est tout à fait normal en démocratie. Mais c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui décidez en dernier ressort. Et vous devez être capable de dire, quand vous sentez que la base n'a pas vraiment bien compris les enjeux, parce que c'est de cela qu'il s'agit, vous devez être capable de dire, là vous avez mal perçu les choses. Voici comment les choses se présentent. Vous devez être capable de recadrer votre base. Donc, je crois que le problème ne se pose pas de cette façon-là. Il est, en démocratie, il est tout à fait logique que ce qui vient de la base remonte jusqu'au sommet, mais il n'est pas dit que tout ce qui vient de la base doit être avalé tel quel. Les leaders, justement, son rôle, c'est de capitaliser tout ce qu'il y a de positif qui vient de la base, mais de nettoyer, d'évaluer. De mettre de l'ordre. Oui, de mettre de l'ordre. Donc là, je crois qu'il n'y a pas débat. Mais ici, nous avons un problème, c'est que, comme l'a dit le président lui-même, il y a eu deux parcours tout à fait opposés. Et puis, tout d'un coup, ils arrivent ensemble et au lieu de faire télescopage, ils s'entendent, évidemment. C'est très compliqué pour ceux-là qui ont... Ils ont fait 32 ans ou quoi, en train de dire, il faut changer. Et les autres qui... Sachant que, bon, ceux-là qui viennent, pour eux, il faut que il faut en fait dégager la place. Alors, où mettre le curseur? Oui, donc vous avez cet exercice difficile de faire comprendre que non, attention,
finalement, ce n'est pas le schéma là pour lequel certains sont morts que nous allons adopter. Maintenant, on va essayer de trouver une formule intermédiaire, tout à fait originale. Voilà. C'est cette originalité là qui déroute un peu les uns et les autres. Alors, monsieur l'abbé, oui. Cette analyse de notre ami et les deux parties qui sont complètement opposées, qui devraient normalement entrer l'un dans l'autre, qui trouvent un modus vivendi, l'exercice ne peut pas être que facile. Il faut des négociations, il faut savoir négocier tout ça. L'exercice peut être facile si on sait où il devrait mener. Qu'est-ce qui nous unit? La nation. C'est ça. Qu'est-ce qui nous unit? Si c'est le Congo qui nous unit, alors l'exercice devient facile. L'exercice devient facile. D'où je dirais, aujourd'hui, toutes ces querelles auxquelles nous sommes en train d'assister peuvent nous amener à croire que ce n'est pas le Congo qui est au centre, mais c'est tel groupement ou tel groupement. Et alors... Le pouvoir devient une mangeoire. Alors, tel groupement veut, disons, gagner, et tel autre groupement veut aussi gagner, n'est-ce pas? Et quand on est dans deux groupements qui veulent gagner, mais gagner non pas autour de ce que moi j'appelle toujours un idéal commun, c'est-à-dire le Congo. Je considère le Congo comme cet idéal commun, n'est-ce pas? Regardez ce qui se passe avec les maîtres du monde autour du Congo. C'est quoi? Ils se mettent tous d'accord pour dire que le Congo, c'est la terre de tout le monde. Et, bon, là, ils sont d'accord. Sur certains détails et tout ça, bon, ils peuvent avoir des divergences. Mais ils ont un point commun. Le point commun, c'est que le Congo, c'est une terre que nous devons exploiter. Chacun de nous a droit à exploiter cette terre et a droit à exploiter les ressources de cette terre. Et là-dessus, ils sont d'accord. Comment le faire? Et avec quoi? Avec qui le faire? Bon, il peut y avoir des divergences. Mais nous sommes là, c'est avec nous. Notre problème au Congo aujourd'hui, c'est que qu'on soit FCC, qu'on soit CASH, qu'on soit Lamouka, je crois que ce qui devrait les unir devrait être plus fort que ce qui les divise. Et ce qui devrait les unir, c'est le bien-être du Congolais et le développement du Congo, je dirais la vie du Congo. Parce que le Congo, finalement, risque de ne pas vivre. Alors, je disais une chose quand on était au bureau tout à l'heure, c'est que, fine et finalitaire, si nous n'avons pas besoin d'opposition et de majorité, c'est parce que ceux qui se considèrent comme les maîtres du monde, depuis les temps mémoriaux de l'histoire, l'Empire romain, qui avait, avec les empereurs de l'époque, qui ont fait la conquête du monde de ce temps-là, eh bien, ils avaient deux armes. La première, celle qui a été coulée sous une formule latine, divide ut impera, c'est la division. La division, diviser pour mieux régner. Et nous les Congolais, nous ne comprenons pas que certaines de nos divisions, qu'on appelle opposition, sont factices, sont créées par ceux qui ont intérêt à ce que nous soyons toujours divisés et que nous ne nous entendions jamais. Et c'est comme ça qu'on peut se mettre autour d'une table, mais ceux qui tirent les ficelles d'un côté, ils tirent les ficelles aussi de l'autre côté, ils vont faire en sorte qu'on ne sorte pas avec une entente, une commune entente, n'est-ce pas? Et qui gagne dans tout cela? Ce n'est pas nous les Congolais qui gagnons. Lorsque nous sommes divisés, nous sommes faibles. Bien sûr. Lorsque nous sommes unis, nous sommes forts. Et les maîtres et ceux qui nous dirigent de l'extérieur ont intérêt à ce que nous soyons divisés. Nous sommes divisés. Alors moi j'ai toujours prêché pour l'unité, pour la cohésion, mais la cohésion et l'unité autour des valeurs et des valeurs fondamentales, des valeurs fondamentales humanistes qui mettent l'homme au centre de tout. Alors c'est comme ça que, personnellement, je dis, front commun pour le Congo ou
cap pour faire le changement, pour le changement, eh bien, moi, tout ce que je voudrais dire, que ces deux entités ou ces deux regroupements politiques devraient avoir en commun le Congo. D'accord. Et donc, une fois qu'ils ont le Congo en commun, eh bien, ils ne vont pas s'injurier, ils ne vont pas s'attaquer mutuellement, ils ne vont pas... Et tout à l'heure, quand l'ami parlait du respect du chef, moi, je dirais, le problème, ce n'est pas tant le respect du chef, mais c'est le respect de l'homme. Parce que le chef, là, il est d'abord un être humain. S'il a droit au respect, ce n'est pas parce qu'il est le chef. Demain, il peut ne plus être chef, donc il n'aura plus droit au respect. Le respect de l'homme, pour moi, est un absolu. Tout homme a droit au respect, quel qu'il soit. Et le chef ou le subalterne ou le plus petit des hommes a droit au respect. Et tant qu'on n'a pas appris, tant qu'on n'a pas appris que l'homme c'est sacré, et pas seulement le chef, que l'homme c'est sacré, eh bien, si on n'a pas intériorisé cela, si on n'a pas appris que le respect de l'homme est un absolu, et que parmi toutes les créatures que Dieu a faites, eh bien, l'homme, c'est celui qui ressemble à Dieu. Et donc, il est sacré et il a droit au respect absolu. Mais le chef a droit à une considération un peu quand même. Bon, alors, donc, nous le disions que les finances devraient être considérées comme des moyens et non pas comme une fin. Donc, ce sont les moyens pour construire et non pas une fin. Or, au Congo, on a l'impression que c'est un peu le contraire. C'est pas votre avis. Quand on court vers le pouvoir, c'est un peu pour ça, non? Oui, pas nécessairement pour le Congo. Parce qu'on a oublié une chose fondamentale. En fait, le centre de l'intérêt de faire la politique, c'est les biens de l'humain, c'est-à-dire mettre l'homme dans de bonnes conditions. J'avais aimé ce que M. Labbé avait dit l'autre fois, beaucoup de l'émission passée, quand il parlait de la commune humanité. Mais c'est ça, l'objectif, c'est le bien-être de l'homme. C'est ça la fin de la politique. Et quand on a ça en tête, on ne subit pas le quotidien. On prévoit. On a une vision, on précède. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tous les bruits qu'il y a là, quand on demande quelle est la vision qu'on a du Congo, on ne l'a pas définie. C'est-à-dire, en des termes simples, quel est le plan de développement que nous avons pour le Congo dans 10 ans, 20 ans? On ne sait pas. Nous nous retrouvons dans un débat stérile sur la... Je prends un exemple. Il ne faut pas que tu sois méchant. Bon. Non, la paternité de la gratuité. Oui. Est-ce que ça a sa place aujourd'hui? Constitution l'a déjà prévu. Vous savez, j'ai vu une œuvre comme le Louvre. L'idée vient de Destin, construit par Mitterrand, inauguré par Chirac. C'est pour les Français. Qu'est-ce que nous voulons? Donc, quand il commence le Louvre, il dit ça sera effectivement exploité en 2010. Il savait qu'il ne serait plus là. Mais c'est ça. Quelle est la vision que nous voulons imprimer pour le Congo? Et là, on n'a pas besoin de démocratie. C'est-à-dire, nous devons être libres. Quand la Constitution dit que nous devons le faire par rapport à notre génie propre, c'est-à-dire, nous devons être libres de trouver un système qui correspond à ce que nous voulons faire. Le souci, quand on dit que nous faisons les perroquets, c'est ça. La presse, pour qu'une information soit valide, il doit venir de Reuters, de RFI. Mais quand c'est dit sur Numérica, il faut vérifier ce que RFI l'a dit. Il y a des problèmes. Quand vous allez dans les pays de l'Est, il y a une toute autre façon de voir les choses qui n'est pas calquée sur CNN. Et ça marche. Donc nous pouvons le faire si nous voulons prendre une vision propre, qui soit à nous, dans laquelle nous nous sentons à l'aise. Comment voulez-vous que, quand vous demandez aux gens qui quittent l'université, au final, qui viennent de finir, ils disent ils cherchent le boulot. À 95%. Avec un dossier. Mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que... Il n'y a pas un plan directeur. Oui, ceux qui cherchent le boulot, c'est pour être employé. Par qui? Par des gens qui exploitent sans comprendre eux-mêmes ce qu'ils font. C'est-à-dire, vous travaillez dans une entreprise de communication,
où l'objectif, dans une mining par exemple, l'objectif qu'il y a derrière le concepteur, c'est de piller. Mais vous êtes complice parce que vous ne comprenez même pas le projet de développement qu'il a. C'est ça toute la difficulté. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? On peut se développer sans démocratie. Mm-hmm. C'est déjà arrivé parce que le Cuba a fait combien de temps? Ah oui. Mais aujourd'hui, tout le monde va se faire soigner. Vous avez vu les résultats, hein? Oui, mais... Extraordinaire. Il n'y avait pas de démocratie. Mm-hmm. Il y avait même embargo. Vous voulez bien laisser un peu de temps à notre ami Boni Gamba parler quand même? Parce que vous avez pris le pas, vous avez... M. Labbé a parlé pendant je ne sais pas combien de temps, vous voulez parler pendant... Ben vous allez voir, lui, il va synthétiser les choses. Il est économiste. Hein. Non, mais je crois que nous sommes toujours en train de constater qu'il y a un système qui a fait faillite. Peut-être que là, nous venons d'atteindre le pic de la faillite de ce système. Parce que nous sommes en train de vivre des choses... qui nous paraissent tout à fait invraisemblables, nous disons, mais pourquoi ils ne s'entendent pas, etc. Mais en réalité, c'est parce que le système qui est en place est conçu pour que nous soyons éternellement divisés. C'est ça le système. Parce qu'à partir du moment où vous faites en sorte que nous ayons des petits leaders locaux, chacun est chef chez lui, il vient maintenant ici négocier sa place dans la coalition, parce que les dividendes maintenant vont sortir, etc. Mais ça, c'est quel système, ça? C'est pas un système conçu pour que le peuple s'en sorte. Si c'est nous-mêmes qui avions imaginé le système à mettre en place, même en jouant le jeu de la démocratie, on allait faire en sorte que il y ait en même temps la construction d'une nation. Faire en sorte que les gens ne puissent plus continuer à penser tribu, qu'ils pensent pays. Ça, ce sont des choses que les constituants mettent sur la table. Quand ils veulent, ils disent voilà ce que nous voulons. Le Congo que nous voulons léguer à nos enfants doit être un Congo où quelqu'un qui est à Arou ne se gênerait pas de prendre comme proche collaborateur quelqu'un qui vient de Kasumbalé, ça. Parce que c'est un Congolais comme lui. Mais ça suppose que, comme les fondateurs des États-Unis, eux l'avaient pensé déjà, avaient pensé à ce pays, à un grand pays. Ils l'ont pensé à ce moment-là, et effectivement, aujourd'hui, c'est devenu un grand pays. En fait, est-ce que nos compatriotes, nous en avons nous déjà parlé, est-ce que nos compatriotes savent, M. Labbé vient de le répéter, que dans leur réunion, en fait, ceux qui dirigent, ceux qui... des maîtres du monde avaient prévu que ce pays leur appartenait, qui pouvait venir pénétrer, prendre cela, et que maintenant c'est nécessaire et même indispensable que nous puissions mettre cette idée en place pour que ça prenne fin un jour. Parce que si nous perdons ce pays, c'est là qu'on comprendra, mais vraiment c'était à nous, mais pourquoi nous ne l'avons pas protégé? Cela est important. Je crois que la plupart de nos compatriotes ne savent pas ça. Exactement. Mais oui. Nous est Laurent Désiré Kabila. Moi, je crois que si on l'a tué, c'est parce qu'il a sorti cette idée-là. Et il a défendu cette idée-là d'une façon très, très forte. Et je me rappelle toujours cette expression qu'il chérissait, n'est-ce pas? Ne perdez aucun centimètre de votre terre. Protégez votre terre. Notre terre, c'est notre bien. Et il a répété cela combien de fois, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pardonne pas, que les maîtres du monde ne pardonnent pas, compte tenu de cette vision que nous avons évoquée à l'émission passée de 1885, hein, où ils se sont réunis pour partager le gâteau qu'est l'Afrique et chacun... Et laisser ouvert le Congo. Et laisser le Congo comme un terrain, disponible pour tout le monde. Mais il y a un problème quand même, à mon avis, qui est très important dans tout ce que nous sommes en train de nous dire ici. C'est le fait que le Congo existe-t-il dans le mental de ceux qui s'appellent Congolais? Comme
la France existe dans le mental des Français. Quiconque vient au pouvoir en France, il parle de la France, n'est-ce pas? Et quand Mitterrand parle de la France, quand Pompidou a parlé de la France, quand Chirac a parlé de la France, Sarkozy a parlé de la France, les différents présidents qui se sont succédés en France, quand les dirigeants français, quand ils parlent de la France, le peuple français sait de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce que nous appelons une vision commune de la France. La France est dans l'imaginaire collectif quelque chose qui existe, vous voyez, et qui existe de la même manière chez tous les Français. Aujourd'hui, on tue des compatriotes à Beni. Chaque jour, nous avons des échos des tueries qui se font à Beni. Combien de Congolais se disent que ceux qu'on est en train de tuer à Beni sont des Congolais? Et donc, si on touche à un Congolais, où que ça soit dans notre territoire, on touche à moi. Est-ce que cette conscience-là d'appartenance à une nation, d'appartenance à un pays, et de savoir que ce pays nous appartient, non seulement que nous appartenons à ce pays, mais ce pays nous appartient. Et donc, ceux qui arrivent à Beni, ceux qui arrivent au Kassai, ceux qui arrivent au Kivu là-bas, partout dans le pays, me concernent. On n'en parle pas. Et personne ne s'en émeut. Les Congolais ne bougent pas. On est en train de se divertir autour des sujets du genre, est-ce que l'ancien président peut revenir au pouvoir, est-ce que ceci ou cela. Mais pendant ce temps-là, nos frères sont en train de mourir comme des animaux, n'est-ce pas, à Beni. Oui. Et nous n'en parlons pas, nous n'en faisons pas un problème personnel, un problème collectif. Eh bien, ça dénote du vrai problème, c'est que le Congo, à mon avis, n'existe pas encore dans le mental collectif du Congolais. De toute façon, monsieur l'abbé, vous avez commencé à suivre cette émission depuis longtemps. Nous avons toujours essayé d'inculquer à nos compatriotes cette conscience nationale. En tout cas, nous y avons travaillé et nous continuerons à y travailler avec vous. Maître, il nous reste plus que 5 minutes. Oui, j'ai aimé les propos de M. l'abbé. Il a raison. C'est-à-dire que nous avons l'impression que tout le monde à l'extérieur est d'accord sur le Congo, sauf les Congolais eux-mêmes. Nous, à l'intérieur, nous ne sommes d'accord sur rien. Alors que tout le monde est d'accord sur le fait que nous sommes les pays les plus riches du monde. Les gens l'oublient. On ne peut pas vivre comme ça. Vous savez, les leaders chinois sont même allés plus loin. Ils ont clôturé la Chine. Pour qu'on ait cette conscience-là. Et aujourd'hui, 50 ans après, la Chine est la première puissance du monde. Ce n'est pas ce qui est dit sur CNN, mais c'est ça la vérité. Parce que le pays qui prête le plus aux États-Unis, c'est la Chine. Donc aujourd'hui, 50 ans, ça a fait mal, mais ils ont clôturé. Ils disent, prenons la conscience de ce que nous sommes et travaillons en conséquence. Nous, on n'est pas là. Et c'est pour ça que, au-delà de penser demain, commençons par l'homme, dès le plus petit. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on n'aura pas reformaté l'homme congolais, la première réussite, ça sera déjà de reformater l'homme, qu'il ait conscience de ce qu'il est et du pays qu'il a. Là, nous pouvons avancer. Modeste. Oui, en effet, je crois que le vrai chantier, le premier vrai chantier, c'est de construire cet homme congolais nouveau, qui puisse avoir un regard différent sur son pays et sur lui-même. Parce qu'on ne peut pas comprendre, comme vient de le dire Maître Magala, que les autres puissent voir le Congo exactement comme il est, mais nous, on est là en train de nous chamailler, et les autres se disent, mais comment ils peuvent être si distraits? Oui, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris sur quelle terre ils sont? Donc, changer le regard de ce Congolais-là sur lui-même et sur son pays devrait être le premier chantier pour refonder ce pays. Parce qu'à ce moment-là, il va se rendre compte que depuis toutes ces années, il est assis sur l'or et il est en train de mendier en même temps. C'est pas normal. Et c'est à ce moment-là qu'il va se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que nous n'avons pas eu conscience que nous étions propriétaires du Congo.
que nous n'avons pas fait l'effort nécessaire pour y placer les meilleurs d'entre nous. Parce que ce sont les meilleurs qui doivent les gérer à notre nom. Si ce sont les meilleurs, ils vont avoir toutes les valeurs dont nous parlions ici. Parce que c'est nous qui les aurons détectés et identifiés comme étant les meilleurs d'entre nous. Et ils vont mettre en place une organisation qui va permettre enfin à ce pays de prendre sa place dans le monde. Et se dire également qu'il y a un piège qui nous est tendu, que ce piège, nous devons absolument l'éviter. Vous voyez comment ils sont partagés l'Afrique, et quand, je crois que c'est Taylor est arrivé au pouvoir, ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas l'identifier, ils étaient embêtés, ils disent, mais ce type-là, oui, il était à Londres. Donc, chaque fois, ils voudraient savoir qui a pris le pouvoir pour l'entourer et lui imposer ou lui proposer des choses tout à fait incohérentes. Donc, c'est vrai, chers compatriotes qui suivez cette émission, soyez de plus en plus nombreux pour suivre la bonne parole, pas comme la prêche M. Labbé, mais comme il la prêche ici, oui, bien sûr. Bon, c'est vrai, nous sommes assis sur un pays immensément riche. Si nous le laissons comme ça, si nous le perdons, c'est là que peut-être nous nous rendrions compte qu'on avait un... Mais il sera trop tard. Dévançons les choses. Prenons-nous au sérieux, prenons-nous en charge et développons ce Congo en sachant que les Congolais sont des humains comme nous, que nous sommes tous des humains, que c'est le sang rouge qui coule sur nos veines et que cette terre, nous n'avons pas le droit et nous n'aurons pas le droit de le perdre. Pour cela, faisons attention à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Je ne sais pas si, mes amis, vous avez constaté qu'il y a quelques années, ce sont les intellectuels qui menaient des choses de plus en plus. C'est effectivement là-bas, qui nous impose des cris. Mais c'est extraordinaire. C'est la rue qui nous mène. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que nous devons récupérer. Ah oui, absolument. Monsieur Labbé, le tout dernier mot. Une minute. Une minute, merci. Le tout dernier mot, retrouvons l'homme en nous et dans l'autre. Retrouvons l'homme, parce que nous l'avons perdu. L'humanité en nous et l'humanité dans l'autre. Et alors, créons un pays humain, plus humain et moins, je dirais, bestial. Et là, il faut remettre... Comme tu disais tout à l'heure, il faut remettre la finance à sa place, qui est la place de moyen et non de fin. Et tant que nous mettrons les finances comme une fin, eh bien, nous entretiendrons cette animalité en nous et nous entretiendrons la perte de notre pays, parce que quelque part, moi j'ai toujours dit, ce pays, nous l'avons déjà perdu. Nous ne faisons pas... Non, monsieur l'abbé, je vous contredis, on ne l'a pas encore perdu. Nous l'avons déjà perdu. Non, mais je ne voudrais pas qu'on ne l'a pas encore perdu. Alors, voilà, cette émission, j'allais dire, ce journal est terminé. Non, parce qu'on se rend compte de la bestialité. Pourquoi? Parce que, disons que le butin est de plus en plus petit. Et quand il est de plus en plus petit, nous serons plus sauvagement méchants pour nous le voler. Il ne sera pas question de partage. Maintenant, il faudra que nous l'arracher. Voilà. Cette émission se termine là. J'espère que la leçon a été entendue. Elle est importante. Merci, monsieur l'abbé, d'être venu encore une fois. J'espère que vous retournerez chez vous dans un moyen beaucoup plus intéressant. Merci Maître Magala, merci mon cher Boni Gaba. À vous également, nous disons bonsoir et bonjour.